Au nom puissant de Jésus qui n'a pas l'épée. Tu sens les problèmes des tensions. Thank you.
que tu peux remercier au Seigneur ce soir. Avec tes propres paroles, dis au Seigneur quelque chose.
ce que Dieu sait de Dieu, de ce que Dieu est. Bénis-le par rapport à cela. Est-ce que tu peux élever ta foi une fois pour dire à Jésus, certainement, Dieu, tu es bon. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie, mais ce matin, tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire ce soir, tu peux déclarer, tu peux confesser, tu peux dire ce que tu ressens de Dieu. Détendu, et quand on l'acclame, ça avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de joie.
Les Benjamins disent Bangongo. Je ne sais pas comment les fonds le déclarent. Quand on dit on l'acclame avec la joie. Alléluia. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas comme des étrangers. Amen. Bien celui qui a côté de toi, ne te sens pas comme un étranger. Sois détendu, dis-le, sois détendu. Alléluia. Sois détendu. Alléluia. Amen. Alors, quand on dit ça, dit, c'est on va faire un grand bruit. Je vois les mains, les mains, les pieds, les mains, les têtes bouger. Tout ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pense que ce n'est même pas chinois, c'est biblique.
Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Je ne suis pas venu pour vous donner du poisson. Vous avez dans cette ville les hommes et les femmes mieux placés que moi pour pouvoir vous donner du pain et du poisson. Je suis venu vous montrer la voie par excellence. Je vous assure, comme disait l'apôtre Paul, cette parole est certaine et digne d'être reçue avec une pleine confiance. Si vous vous embarquez sur cette voie, oh mon Dieu, je suis convaincu que ce qui vous a terrassé hier ne pourra plus vous terrasser demain. Amen. Ce qui vous a fait pleurer hier ne pourra plus vous faire pleurer demain. Amen. Vous marcherez avec assurance et vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que vous le méritez. Alléluia. Amen. Le thème de notre séminaire, le renouvellement de notre alliance avec Dieu. Ce thème est d'une actualité, d'une importance capitale. Plus que par le passé, c'est le moment. Et je voudrais demander à mes collègues, chers fils dans le ministère, de voyager avec ce message, parce que l'Église en a besoin. Je n'en parle pas parce que quelqu'un m'aurait soufflé cela ou que j'aurais lu ça dans un livre. C'est vraiment dans l'intimité avec Dieu que ces choses m'ont été communiquées. J'en fais les éléments de ma vie. Je ne viens pas vous faire un exposé. Je viens vous partager la préoccupation du royaume, les choses qui font partie de ma vie. Parce que je ne vais pas vous donner autre chose. Quelqu'un a dit, la plus belle femme ne peut donner que celle qu'elle a. Je ne sais pas si je vous serai utile. Je ne sais pas si je vous serai en bénédiction. Mais quoi qu'il en soit, je suis condamné à vous donner ce qu'il a déposé dans mon cœur. Alléluia. Amen. Nous avons lu cette parole hier. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Je voulais ce soir m'attarder sur un élément, réparer les ruines. Réparer les ruines. Est-ce qu'on peut répéter ça? Réparer les ruines. Réparer les ruines. Non, je ne vous entends pas plus fort. Réparer les ruines. Alors, j'ai envie de vous solliciter. Pourquoi je vous sollicite? La prédication est une guerre. Vous savez, lorsqu'on se tient ici, on ne peut pas tout vous dire. Et ce que nous voyons et ce que nous ressentons. S'il faut vous dire tout ça, on ira jusqu'à demain. Et le message n'a pas cela ni que, ni tel, ni que, on ira dans tous les sens. Parce que le combat est réel. Et ce combat est spirituel. C'est un combat charnel. En me tenant ici ce soir, je ressens les combats qui viennent et de Libreville, et de Mouila, et de Tibanda, de Franceville, et j'en passe. Donc lorsque je vous demande de répéter une parole, en fait, je suis en train de vous annoncer ma faiblesse et j'ai besoin de votre secours pour qu'on avance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, je vous fais participer au combat. Ceux qui sont d'accord à participer au combat, si je vous demande de répéter, faites ça avec détermination, avec foi. Amen. Parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. Alors, je disais tantôt que de ces paroles prophétiques qui se trouvent dans les actes des apôtres, ça signifie que l'Ancien Testament est terminé, les évangiles sont terminés, Christ est mort, il est monté au ciel, il est déjà assis à la droite de Dieu. Les actes des apôtres, nous sommes déjà en plein dans la dernière phase de l'histoire, parce qu'il y a trois phases dans l'histoire. Il y a la phase de la création, Dieu le Père.
Il y a la phase des évangiles, Dieu le Fils, qui est mort à notre place, et il y a la phase de la préparation de l'Église pour l'enlèvement, la phase du Saint-Esprit. Et la phase du Saint-Esprit commence dans les actes des apôtres. C'est dans cette partie de l'histoire qu'on nous rappelle que Dieu dit « Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai ». Nous avons vu bien que quand quelqu'un dit « que je reviendrai », ça signifie qu'il était déjà là, n'est-ce pas? Et puis il est parti. Il promet qu'il reviendra. Alors, il y a un comédien, j'aime les comédiens, certains, pas tous, ouais, parce qu'elle est aussi épargnée. Alors, il y a un comédien ivoirien qui se met à faire sa comédie. Il parle à Jésus, mais Jésus là, toi tu dis tu reviens bientôt, tu reviens bientôt. Tu as oublié ce qu'on t'a fait là. Tu penses que ces gens-là qui sont devenus plus méchants ne vont pas te punir plus que ce qu'ils ont fait la première fois. Je te rappelle qu'ils t'ont amené juste à la croix. Donc, calme-toi, ne te presse pas. Rassure-toi qu'ils se sont déjà bien convertis, alors reviens. Vous savez, c'est un comédien. Mais quand j'ai écouté ça, ça a bouleversé mon esprit. Et il a raison. Parce que Jésus ne reviendra pas tant que son église n'est pas pleine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, il reviendra. Il reviendra. Il a dit, je reviendrai. Pour venir faire quoi? Pour venir relever de sa chute la tente de David. Il viendra réparer les ruines. Répétez après moi, réparer les ruines. Vous savez, c'est une chose extrêmement compliquée. Pour l'avoir expérimenté, j'ai mes collaborateurs qui m'accompagnent, qui sont là. Nous avons commencé à construire l'église. Nous avons acheté un bâtiment, un vieux bâtiment, qui servait à l'élevage des poules. Tellement bien placé et stratégique. Nous avons dit, voici un acquis que nous ne voulons pas détruire. C'était un acquis. On a voulu conserver ça. Mais lorsque nous avons bâti la partie... l'extension de ce bâtiment, et quand on a voulu le coller avec l'ancien bâtiment, on s'est rendu compte que ça ne se variait pas. C'était pas possible. Il fallait enlever le vieux toit qu'on pensait être un acquis pour nous, parce que c'était pas possible de conserver le vieux toit. On a même cassé les murs. On s'est dit, il valait mieux pour nous de tout casser, ça nous aurait coûté moins cher. On a dépensé plus dans le but de conserver un acquis. Pour vouloir conserver cet acquis, nous avons dépensé plus. Alors, j'ai lui demandé pardon, parce que la Bible dit, on ne peut pas mettre, on ne peut pas coudre, n'est-ce pas? Elle déhabite sur la déchirure, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles choses. Donc, il valait mieux tout détruire. On aurait allé plus vite, et dépenser moins. Parce que dans les ruines, lorsqu'il faut construire, réparer les ruines, c'est un travail extrêmement compliqué. Et j'ai besoin de vous ce soir pour m'aider, vous associer à moi, pour permettre à notre roi des rois de réparer les ruines. Parce que ça là, vous n'allez pas m'appeler. Vous avez pensé écouter les choses faciles. Mais non. Mais non. Je veux m'attarder ce soir dans le fait de réparer les ruines. Nous avons vu hier que Jésus a été établi ministre du sanctuaire. Mais je l'appelle du véritable tabernacle. N'est-ce pas? Nous avons vu hier que Jésus ne sera jamais ministre d'un sanctuaire qui n'est pas le véritable sanctuaire. Il est ministre du véritable sanctuaire. Un sanctuaire qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Nous avons vu hier qu'il a traversé le tabernacle et que nous sommes invités, nous aussi,
à traverser ce tabernacle. Telle a été l'invitation qui nous a été faite hier. Traverser le tabernacle, un sanctuaire qui n'a pas été fait de l'homme, mais un sanctuaire plus grand et plus parfait. C'est celui-là que Christ a traversé. Mais la Bible n'a pas hésité de nous rappeler qu'attention, ce tabernacle de Moïse, parce que Moïse, c'est lui mon problème ce soir et pendant ce séminaire. Moïse va sur la montagne et Dieu lui montre le tabernacle. Avant de descendre de la montagne, Dieu a pris soin de lui dire, Monsieur Moïse, prends soin de faire selon le modèle. Si la Bible avait dit, prends soin de faire selon le plan, j'aurais dit que Moïse nous a tout donné. Mais Dieu lui a dit, selon le modèle. Je voudrais rappeler que le modèle, dans le cœur de Dieu, un, c'est le plan, comme le plan de cette maison, le plan de cette estrade, c'est le plan. Mais c'est également dans le modèle, le fonctionnement, la manière dont les choses doivent fonctionner. C'est ça le modèle. Un modèle ne se limite pas au plan seulement, non. Mais également à la manière dont les choses doivent se passer. Mais Moïse, notre ami, notre grand Moïse, lorsqu'il est descendu, il a respecté le plan à la lettre. Il a respecté le plan à la lettre. Il n'y a rien qu'il a vu sur la montagne qui a été réalisé hors modèle, hors plan. Non. Mais ce que Moïse n'a pas réussi à faire, est-ce qu'il était sous pression de sa famille? Est-ce qu'il était sous pression du peuple? Je peux dire oui aussi. Vous savez, à un moment donné, Dieu venait sur la montagne, il parlait directement au peuple sans passer par Moïse. Vous avez lu ça? Qu'a fait le peuple? Le peuple est allé vers Moïse en disant, Moïse, viens ici. Ils ont convoqué Moïse. Ils ont dit, Moïse, il a accepté la convocation. Hein? Ouais. Donc, nous les hommes de Dieu, là, il faut qu'on accepte la convocation. Voilà, c'est notre humilité. Quand le peuple nous convoque, on vient. Dites Amen. Amen. Et le peuple dit, Moïse, voici ce que nous te commandons. Va dire à ton Dieu, il n'a qu'à te parler, toi. Et toi, viens nous parler. Cette affaire-là où Dieu nous parle directement, là, on ne veut pas ça. Vous me suivez? Amen. Moïse est allé voir Dieu. Il lui dit, le peuple a dit qu'ils ne veulent plus t'entendre. Parle-moi et moi, j'irai leur dire ce que tu as dit. Dieu lui montre un modèle. Dieu lui dit, voici le modèle. Je ne réponds pas à ta prière, mais voici le modèle. Va et fais exactement d'après le modèle. Dieu, quand Dieu prend soin de lui rappeler, parce que Dieu sait pourquoi il est venu là. Dieu sait les motivations pour lesquelles il est là. Dieu sait quelle est la pression qu'il a de son peuple. Vous me suivez là? Amen. Dieu lui dit, voici le modèle. Va, prends soin de faire d'après le modèle. Quand Moïse arrive, il remet le plan qu'il a vu sur la montagne, dans le paradis de Dieu. Et Dieu l'a même aidé parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas avec lui dans le paradis, à qui Dieu a envoyé le Saint-Esprit, comme Bézalel, à qui a été rempli de l'esprit d'invention. Et il a réalisé avec précision le plan du tabernacle. Mais Moïse, avec la pression du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas appliqué le mode de fonctionnement qu'il a vu au ciel. Ce mode de fonctionnement était celui-là que Dieu avait révélé sur la montagne lorsqu'il parlait directement au peuple sans intermédiaire. Est-ce que vous me suivez là? Mais le peuple aime les intermédiaires. Si j'évitais
que beaucoup de pasteurs iront au ciel. À cause de votre regard, vous rappelez ça? Oui. Je veux ajouter ce soir que beaucoup de pasteurs iront en enfer à cause de votre pression. Moïse n'est pas arrivé à la terre promise à cause de la pression du peuple. Qui ne pouvait pas entendre la voix de Dieu? Vous ne savez pas ce que ça fait lorsque vous avez un peuple qui ne veut pas entendre la voix de Dieu. Ils attendent tout de leur pasteur. C'est le pasteur qui doit tout dire. Il y a cette femme qui vient me voir. Pasteur, je me suis réveillé ce matin et je n'ai pas voulu bien faire quoi que ce soit avant de t'avoir rencontré. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui. Vous savez comment j'ai répondu à cette femme? Je lui dis, non. Je lui ai dit, maman, achète l'union. Va lire l'horoscope. Mais attends, où est la différence? Où est la différence avec ceux qui lisent l'horoscope? Où est la différence? Ils ne peuvent rien faire sans s'appuyer de quel signe est zodiac. Il doit dire, aujourd'hui, si tu sors, tu dois t'habiller en jaune. Il ne faut pas saluer celui que tu vas rencontrer dans un carrefour. Mais quand tu vas arriver dans les bas-fonds, tu vas rencontrer quelqu'un, dis bonjour. Imaginez que la reine Elisabeth soit de même signe zodiac que toi. Et c'est le même message. Elle va vous conduire au bas-fond qui? Elle ne va pas dans les bas-fonds, vous comprenez? Non, c'est pour dire que les chrétiens se comportent exactement comme ceux qui lisent l'horoscope. Ils attendent tout du prophète, et comme c'est le ministère qui revient à la mode aujourd'hui, voilà, le prophète doit tout dire. Ils ne sont pas capables d'écouter la voix de Dieu. Et quand Jésus arrive, nous avons vu ça hier, il a dit que les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, sur la chair de Moïse. Mais Jésus, lui, il a refusé de s'asseoir sur la chair de Moïse. C'est quoi la chair de Moïse? C'est celle-là qui établit les différences. Qui dit que vous n'êtes pas les consacrés? Les consacrés, ce sont ceux qui sont assis en haut là. C'est toujours en haut, ils ne sont jamais en bas. En haut là. Vous les voyez, non? Regardez-les, ils sont assis où? En haut là. Donc ça, c'est les consacrés. Vous n'êtes pas les consacrés. On les appelle les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Donc si eux, ils sont hommes de Dieu, vous êtes hommes de qui? Hein? Répondez-moi. Soit les hommes de Dieu, soit les hommes du... C'est son nom. Il est trop sale. Non, ceci pour vous aider à comprendre que dans le cœur de Dieu, ce que vous voyez là n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Amen. Dans le cœur de Dieu, selon le plus Moïse, il veut que chacun de vous ait accès en sa présence. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Mais si vous parlez comme Moïse, comme le peuple qui est avec Moïse, les grands hommes que vous avez ici là, que j'admire, depuis que je suis arrivé, vraiment, je me sens enrichi. Il n'y a rien de tel lorsque vous êtes autour de vos collègues et que vous vous sentez enrichi. Pas agressé, mais enrichi. Il y a des moments où, à la fin de cette grande cérémonie, j'étais plus à l'aise à être à côté de l'archevêque Basile Mbé que d'être avec mes collègues pasteurs. Oui, oui. Avec l'archevêque, j'étais plus à l'aise. Parce que mes collègues pasteurs, il fallait entendre ce qui sortait de leur bouche. Il fallait entendre les grossièretés. Il fallait entendre des plaintes, des critiques. Or, avec l'archevêque, on parlait des choses du pays. Et j'étais plus à l'aise. Vous comprenez? Ouais. Mais c'est scandaleux de parler comme ça. Et pourtant, c'était la vérité. Mais depuis que je suis arrivé, je me sens enrichi. Mais j'ai une situation qui m'inquiète, qui ne vous concerne pas seulement vous qui êtes là devant moi, mais qui concerne les chrétiens de notre temps actuel, notre génération, qui refusent d'écouter la voix de Dieu. Et vous fabriquez vous-même vos propres gourous. Vous savez, c'est un gourou. Mais c'est vous qui les fabriquez. C'est vous qui les fabriquez. J'ai dit à mon peuple, et il est là, mon collaborateur, je leur dis, vous là, montez les sangs, vous ne pouvez pas me changer. Seul Dieu va me changer, mais pas vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas me changer, jamais. Me changer, ah ça, non.
doit me changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas m'amener à faire les choses. Ah papa, je suis venu te voir. Parce que je ne sais pas, à chaque fois les lacets de mes chaussures disparaissent à la maison. L'argent disparaît. Dis-moi qui me voit l'argent à la maison. Quand tu viendras me voir pour me parler de tes lacets de chaussettes, tu sais comment je vais te répondre. Je vais te dire, maman, papa, ça c'est une situation grave. Que tes lacets disparaissent à la maison. Parce que les lacets qui disparaissent à la maison là, on peut venir t'attacher avec ces lacets-là. Donc, et comme tu veux savoir, celui qui te vole les lacets, vraiment, va voir à toi Libéla. Parce que ton comportement n'est pas différent de celui qui est allé consulter son marabout hier soir. Et tu veux faire de moi un atout libéral. Tu ne peux pas me changer. Seul Dieu doit me changer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut serrer nos ceintures? On peut serrer nos ceintures? Amen. Alléluia. Amen. Voici, encore une fois, cette image que je voudrais, à cause du fait que Hébreu, le livre d'Hébreu dit, à l'imitation du véritable. Le terme imitation du véritable, cela signifie que ce que vous voyez là n'est que l'image visible. Mais il y a un message qui incarne ce que vous voyez, et c'est ce message qui est le véritable message. Israël était resté coincé dans les objets physiques et pratiques, mais ils ont eu les problèmes à rentrer dans le véritable. Mais nous, pendant ce séminaire, le Saint-Esprit va nous aider à rentrer dans le véritable. Parce que la vie chrétienne, je vous l'ai dit, vous allez comprendre que notre vie se passe à ce niveau-là. C'est ici, là. Vous voyez cette nuée, vous voyez cette nuée, là. Vous voyez la fumée qui monte. C'est le symbole de la présence de Dieu. C'est là-bas que Dieu veut nous rencontrer. Alors, je suis obligé de vous présenter cette image pour vous montrer que c'est physique, certes, mais le message est spirituel, et c'est ça la nouvelle alliance. Dieu a permis que Moïse puisse construire cet tabernacle physique afin de nous enseigner le Fils de l'homme, le ressuscité. C'est pour cela, ce soir, je voudrais me permettre de vous présenter, regardez ça, regardez, vraiment, si quelqu'un ne voit pas, qui se déplace, et mets-toi là où tu peux voir, vraiment sois libre. Si tu ne vois pas au tableau, déplace-toi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous voyez, nous allons appeler ça barrière, hein, c'est ça? Il y a un autre nom qu'on veut. Ce qui entoure. Clôture. Cette clôture-là, voilà. Cette clôture-là. Je vous ai dit hier, chaque élément ici nous révèle la personne de Christ. Ne fût-ce que la couleur blanche, une couleur éclatante qui se voyait à des milliers de kilomètres, ça révèle la gloire du Fils de l'homme. Si vous m'avez invité pour un séminaire d'un an, non-stop, 365 jours de séminaire, je vous aurais parlé de chaque poteau ici qui nous parle de tous les noms que Dieu a donné à notre Christ Jésus. Nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans cette clôture, il n'y a qu'une seule porte. Dites une seule porte. Une seule porte. Vous n'avez pas oublié ce que je vous ai demandé là. Parce que c'est important. Dites une seule porte. Une seule porte. Alors, une seule et unique porte. Lorsque vous voyez l'emplacement, vous aurez l'impression que pour arriver ici, est-ce que ce n'était pas mieux de mettre la porte en derrière? C'est un raccourci et on arrive rapidement. Est-ce que ce n'était pas mieux de mettre la porte un peu ici à côté et puis on arrive rapidement et c'est un raccourci? Dieu a refusé les raccourcis. Dites Dieu les vaincu les raccourcis. Dites ça. Oh, l'Église doit comprendre que Dieu
n'est pas une queue de raccourci. Alors tout cela, il est venu placer la porte ici. Une seule et unique porte. J'ai noté en haut, j'ai dit le mot première station. Quand vous entendez le mot station, ça a deux explications. Soit vous vous arrêtez et puis vous ne continuez plus, c'est fini. Votre vie s'arrête là. Vous êtes stationné. D'accord? Soit c'est un lieu de ravitaillement en énergie. C'est pour ça qu'on va avec nos voitures à la station pour faire quoi? Prendre le carburant et on repart. Est-ce que vous suivez là? Amen. Donc, quand vous verrez que je vous parle de station, je suis en train de vous interpeller. À prendre une décision. Est-ce que c'est pour rester là, toute votre vie, jusqu'à la mort? Est-ce que c'est pour tout simplement une station qui vous permet de vous ravitailler pour aller plus loin? Parce qu'il faut arriver ici. Il faut y arriver. Beaucoup risqueront d'aller au cimetière sans avoir connu cet endroit. Et ce serait dommage. Alors, ce soir, regardons la première station. C'est une porte. Une porte. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, vous lirez tout le chapitre 10 chez vous. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit quoi? Je suis la porte. Suivez avec moi. On est en guerre. Jésus a dit quoi? Je suis la porte. Est-ce qu'il a dit je suis une porte? Non. S'il avait dit je suis une porte, ça signifie qu'il y a d'autres portes pour arriver. N'est-ce pas? J'ai pas eu besoin d'aller à Rome pour voir le pape. Il paraît que pour tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin mène à Rome, oui, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Ouais. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, par qui? Par moi. Non, par le pasteur. Non. Non, par l'invitation de mon ami. Non. Non, par la guérison. Non. Par le miracle. Non. Par la prophétie. Non. Par l'imposition des mains. Non. Si quelqu'un entre par l'onction lui, non. Mon Dieu, amen. Je fais exprès, je suis poussé par le Saint-Esprit de vous amener, s'il vous plaît, à faire la différence. Parce que le vrai combat dans le monde spirituel réside déjà à ce niveau-là. Parce que le diable ne veut pas entendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle la porte. Il a dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alors, le diable combat quoi? Il combat le salut. Il combat le salut. Il combat quoi? Le salut. Il combat quoi? Le salut. Non, il ne combat pas vos parents. Il ne combat pas ton poste. Il ne combat pas ta santé. Il s'en fout de ta santé. Il s'en fout de ton poste. La seule chose que le diable veut, il veut se rassurer qu'il a gardé ça et que tu n'auras jamais accès à cela. C'est le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela, je suis un père du réveil. J'ai bouleversé la ville de Franceville, Moanda. Oh, le pasteur Nzamba n'est pas là. Comment s'appelle la ville? Bongola. Bongola. Non. Il y avait une ville où il y avait une gare de ces trains. Bongola, qui a disparu? C'est là-bas que nous avons tenu une croisade. C'est là-bas où il a été saisi par l'esprit, renversé, transformé. Ce gaillard-là que vous connaissez, je l'ai soulevé avec mes doigts comme si c'était un petit papier. Alors, je sais quand il me donne la force. Est-ce que vous suivez là? Amen. Alors, je sais comment l'évangile de Christ a évolué dans mon pays. Le diable a réussi à rentrer dans le cœur des prédicateurs. À ne plus vous parler de la porte, ni du salut. Ils n'en parlent plus. Tous sont prêts à faire des pratiques spirituelles sur vous, mais sans vous montrer la porte. Vous parlez du salut. Est-ce que mon Dieu est là? Amen. Frère, vraiment, je t'invite dans mon église. Tu as fait quoi? Je t'invite dans mon église. Tu as fait quoi? Tu n'as absolument rien fait. L'église ne sauve pas. Va rencontrer mon pasteur. Oh mon Dieu, tu as fait quoi là? Peut-être que c'est une action
qui appartient au bébé converti. Parce que Paul, lorsqu'il s'est converti, il annonçait tout simplement la porte. Mais à un moment donné, il démontrait que la porte était la vraie et l'unique porte. Peut-être qu'au début, tu peux faire de telles choses, mais dès lors que tu as déjà un an, 6 mois, 1 mois dans le Seigneur, tu dois être capable de parler à tes parents, à tes amis, de la porte. Pas de leur santé. Ils peuvent aller à l'hôpital et être soignés. Ils peuvent aller chez les malades et être soignés. Pas de l'argent. Ils peuvent travailler et avoir de l'argent. La prospérité. Ah ça, mais les païens sont même plus prospères que nous. Est-ce que vous voyez là? Mais on invite les gens à l'église pour qu'on leur... Que tous les séminaires, venez expérimenter votre miracle, votre prospérité. Venez, vous serez guéris. Nous allons distribuer les miracles, les guérisons au programme. Délivrance, guérison. Voici le programme. Un point à l'heure du jour. Guérison, miracle. Mais où est la porte? Les gens viennent, on impose les mains, ils tombent de tous les côtés. Ils ont mal au corps, ils le tournent chez eux. Mais ils ne savent pas où est la porte. Est-ce que moi je vais la porte? On s'en supplie. Le peuple est malade parce qu'ils sont hors de la porte. Tous les prédicateurs, comme j'ai dit hier, veulent vous maintenir ici, ici, hors de la porte. Dieu n'est pas là. Dieu est ici. Et pour arriver ici, il faut passer par la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par qui? Par moi. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Écoutez cette parole prophétique, je vais dire rapidement, du prophète Esaïe, Jérémie plutôt, qui a compris le souci de Dieu. Et ce que Dieu est en train de préparer pour nous, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors il a entendu le cœur de Dieu dire, écoutez ça, je disais, ça c'est Dieu qui parle, je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Je disais, comment, Dieu cherche, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices? Comment te donnerai-je un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon père. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Jésus vient. Il dit, ça c'est Jean-Baptiste qui proclame. Jean 1:1. Quand vous êtes au verset 12, la Bible dit quoi? Jean 1:12, qui connaît? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient, au nom du pasteur Gaspard. À ceux qui croient, au pouvoir du pasteur Gaspard. À ceux qui croient, en son nom. La suite est quoi? Et là, monsieur le maire a raison, il t'a marié pour le meilleur et pour le pire. Précise, avec force et pour le pire. Aucun maire, je n'ai vu célébrer le mariage sans s'appuyer sur le pire. Mes amis, il est question de recevoir Jésus dans sa vie.
lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, à l'instant, il y a un bouleversement qui se passe dans votre vie. Amen. Vous devenez un enfant de Dieu. Amen. On parle de nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Amen. Et un enfant qui vient de naître, la seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est de copier le comportement de la société dans laquelle il vient d'atterrir. N'est-ce pas? Ouais. C'est au fur et à mesure qu'il va peut-être apprendre à faire comme eux. Mais à l'instant, il ne peut pas insulter, il ne peut pas mourir, il ne peut pas faire tout cela parce qu'il vient d'atterrir. Or, les gens viennent à l'église. Ils restent les mêmes hier, aujourd'hui et aujourd'hui. Ça veut dire qu'on vous a mal prêché l'évangile. Vous savez, dans mon village, j'avais deux personnes qui fabriquaient deux papas. Pas personne. Oh, pardonne-moi. Deux papas. Parce que dans mon village, tous les papas sont mes papas. Le papa, ce n'est pas celui qui m'a engendré. Le papa, c'est le frère de mon père. Et c'est lui qui était capable de me donner des conseils. Il y avait deux qui tissaient les paniers. Mais il y a un qui était excellent. Tout le monde achetait ses paniers. Mais il y a l'autre qui fabriquait plus de paniers, mais ces paniers c'était bien. Et un jour, j'allais en vacances dans mon village et je les voyais travailler. Et puis j'ai posé la question à mes papas, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tes paniers sont là en train de traîner et lui, ses paniers sont bien faits? L'autre commence à dire, ah non, parce que lui là, hein, il m'en veut, c'est lui qui doit pratiquer pour que mes paniers ne passent pas. L'autre lui dit non. Pasteur, là il m'appelait pasteur. Il dit, tu sais, pour quel panier réussisse, c'est le premier nœud. Il y a ceux qui savent faire le premier nœud. Ça fait plus de 20 ans, j'apprends mon frère à faire le premier nœud qui n'arrive pas à faire. 20 ans. Quand tu réussis à faire ton premier nœud, quand c'est réussi, tu as déjà donné la forme à ton panier. Mais si c'est raté, peu importe le spécialiste qui viendra t'aider à redresser ton panier, il sera perdu. Alors là, c'était un enseignement fort qui est rentré dans mon esprit. Si vous démarrez mal votre vie chrétienne, vous serez perdu. Il y a quelqu'un qui a chanté un chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Dieu, c'est une préoccupation du cœur de Dieu. Jérémie a entendu Dieu pleurer. Dieu s'est lamenté. Il cherchait la solution. Comment te ferais pour que tu deviennes un de mes enfants? Il a trouvé la solution en Jésus. Et Jésus est la porte. Et il a dit, celui qui ne passe pas par moi est un brigand de sang. La suite du verset disait, et tu ne te détourneras pas de moi. C'est-à-dire, lorsque tu passes par la porte, Dieu est rassuré que cette solution-là, tu ne pourras pas te détourner de lui. Il faut passer par la porte pour donner à Dieu l'espérance que tu ne te détourneras pas de lui. Mais si tu viens sans passer par la porte, alors, quelle espérance tu mets dans le cœur de Dieu? Je disais à une femme pour qui je priais, et puis le Saint-Esprit m'a séduit, mais maman, là où je me fatigue à prier pour toi, dis-moi, Dieu gagne quoi à te guérir? Mais attends, dis-moi, pourquoi Dieu va te guérir? Matin, soir, je prie, mais là, dis-moi, si Dieu te guérit, il va gagner quoi? C'est pas une bonne question, ça. Ceux qui ont appelé Pierre pour dire que Tabitha est malade, ils ont dit à Pierre, Tabitha ne doit pas mourir. Parce que c'est elle qui nous fait tout ça. Ouais. Vous comprenez, non? Ouais. Et Pierre n'a pas fait les gens prier comme moi. Il est rentré dans la chambre du mort. Il a trouvé le cadavre. Il dit, Tabitha, il y a un problème ici. Tu ne peux pas partir. Les gens ont besoin de toi. Réveille-toi. Et vous avez l'impression que c'est Pierre qui a un pouvoir de résurrection. Non! La vie de Tabitha méritait cette résurrection. Ouais. J'attends bien la question. Il t'a dit quoi? C'est quoi la question?
Dieu gagne quoi avec Christ? Réponds vraiment à ma question. Dieu gagne quoi? Alors réponds un peu. Dans mon cœur, réponds. Dieu gagne quoi? Hein? Tu veux la postérité? Dieu va gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Il y a un homme qui avait prié. Oh là là, Seigneur, discipline-moi parce que j'ai des choses à dire. Dieu, dans mon petit commerce, là, je souffre, je n'arrive pas à toi toucher les deux bouts. Bénis-moi, je vais te servir. Pendant qu'il priait comme ça, un homme de Dieu passe, il dit, ah, mon frère, j'ai entendu ta prière, mais voici ce que je vais te faire, je vais te demander. On va prier ensemble, mais Dieu va t'exiger un peu de fidélité. Si tu gagnes 1000 francs par jour, va donner 100 francs dans n'importe quelle église qu'on dit. Il dit, ah bon? Il dit oui. Et le gars a commencé à appliquer. Le lendemain, il a eu 2000. Il a enlevé 200 avec le pasteur. Après, le lendemain, il a eu 50 000. Oh! Il a vite enlevé combien? 5 000 dans le nom de l'église. À la fin du mois, je vous passe rapidement. Il a 200 000 jours de recettes. Il a enlevé 20 000. Il va donner à Dieu. Je vous parle de tous les jours jusqu'à ce que son commerce ait développé. Et en un jour, il pouvait avoir 10 millions de recettes. À 10 millions, on est combien? 1 million. Donnez ça à la haute. Et puis il a commencé à faire les calculs. Vous comprenez là? Mesurez. Et puis, le pasteur passe par là. Il dit, mais papa, on ne te voit plus. Il dit, non, vraiment, Dieu va bénir. Et la fidélité. Il dit, ah bon, ça devient un peu difficile, tout ça. Je dis, le pasteur, il faut que je t'aide, d'accord? Il dit, oui. Tu me permets de prier? Il dit, oui, prie, pasteur. Oh Dieu, cet homme n'est plus capable de te donner 1 million de dîmes. Permets à ce que ces affaires, pour sa fidélité, descendre à 1000 francs par jour. Il a dit, arrête parce que, arrête la vie. Donc voyez-vous, je vous en supplie, c'est une petite parenthèse. Je vais vous dire, nous devons donner une garantie à Dieu. Et la garantie qu'on peut donner à Dieu, c'est si en venant à l'église, nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. 1 Jean 5, verset 15. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand on n'a pas la vie, on a quoi? La mort. Quand on n'a pas la vie, on a quoi? La mort. Et la mort vient, il y a des annonces, il y a des choses qui annoncent la mort. Quelle est la chose par excellence qui annonce la mort? Dites-moi ce soir, lorsque vous sentez quelqu'un est en train d'aller à la mort, il y a quoi dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Il est comment? Il est malade. Il est malade. Il est malade. Si je lance l'appel à cet instant, quels sont les chrétiens qui sont malades, qui se lèvent? C'est tout le monde qui va se lever. Là, j'ai un problème. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas philosophe, je suis un technicien. Chez nous, les techniciens, 1 plus 1 égale 2. D'où vient le fait que les chrétiens sont malades? Il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade. Moi, on peut pas être en permanence dans la maladie. On peut tomber malade, mais sans être dans la maladie. Mais les chrétiens sont dans la maladie. Pasteur, mettons-nous en cause sur notre évangile. Arrêtons les complications de l'évangile. On ne peut pas arriver à Dieu par les démonstrations théologiques. Présentez la pente. Amen. C'est Jésus qui sauve. Amen. Amen. C'est Jésus qui sauve. Le pasteur Gaspard ne peut pas vous sauver. Peut-être vous êtes déçus. Vous êtes venu voir un grand homme dont on en parle, mais il vous avoue qu'il ne peut pas vous sauver. Une seule personne est capable de vous sauver. C'est le Fils de Dieu. Amen. Celui qui a le pasteur Gaspard. Non, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce que je fais dans mon église, celui qui donne plus d'argent, c'est celui-là que j'ignore.
je l'ignore. Il y a un qui faisait exprès. Dimanche matin, il monte sur l'escalade. Action de grâce. Je me rends grâce à Dieu. Et je donne une offrande de 2 millions. C'est bien. Si ça vient de son cœur. Regardez. Quand il descend de l'escalade, au moment où il descend, que moi je suis assis là, j'ouvre ma Bible. Je pose mon regard dans ma Bible, il passe. Et quand le culte finit, je vais dans mon bureau parce qu'il cherche à venir me saluer. Je vais le saluer plus tard, mais pas aujourd'hui. Vous me suivez? Amen. Parce que donner l'argent ne vous sauvera pas. Amen. C'est bien de donner l'argent. Mais si vous pensez qu'en donnant l'argent, vous allez accéder au salut, non! Vous avez raté la formule. Vous avez faussé la formule. Parce que donner l'argent, ce n'est pas ça qui amène au salut. C'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Comprendre que je suis pauvre pécheur. De par moi-même, je ne peux être sauvé. Ni par mes biens, ni par mes actions, ni par tout ce que j'ai. Et rien dans ce monde ne peut me laver de tous mes péchés. Même si tu sembles être correct, mais David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Même quand tu es conçu dans le ventre de ta mère, tu es déjà pécheur. Et il y a une seule personne qui est capable de te sauver, c'est Jésus. Amen. Sans Jésus, tu iras en enfer. Amen. L'enfer existe. Mais il faut avoir le Fils. Vous êtes avec moi? Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu. Mais par la foi, en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Permettez-moi de vous montrer la deuxième station. Est-ce que tout le monde regarde? Tout le monde regarde? Tout le monde regarde? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas possible de nous éteindre là? C'est pas si. Celui-là, celui-là, surtout. Pour permettre au caméraman d'avoir sa lumière, c'est l'interdiction. Ça va, quoi? Oui. Ça va? Amen. Le peuple? Oui. Est-ce que ça va? Amen. Je vous ai dit, station, venue quoi? Soit tu t'arrêtes là, et tu restes là. Soit tu te ressources pour aller plus loin. Deuxième station. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses. Lorsque vous traversez cette porte, à l'époque, vous êtes accueilli par un instrument monstrueux qui crache le feu. On l'appelle l'autel des sacrifices. Est-ce que vous suivez? Cet autel des sacrifices incarne Jésus lui-même qui a payé de sa vie afin que nous soyons sauvés. Quand vous allez lire, je vous demande de lire. Notez-moi l'expérience d'Ésaïe 53. Notez-moi, lisez ça encore et encore. Parce que si vous avez fait deux dimanches, trois dimanches, sans prêcher Ésaïe 53, je reviendrai ici et je vais vous corriger devant tout le monde. Parce que ça là, les amis, ça c'est le lieu de la rédemption, le lieu de la délivrance. Quand Dieu pleurait, pour lui comment je pleurais? Pour que tu deviennes mon fils, que tu sois parmi mes enfants. Il a ouvert la porte afin que quiconque entre par ce fils, il arrive au sacrifice de Jésus. Il a prié de sa vie. J'en ai parlé. Et ce sacrifice nous montre deux niveaux. Il y a la victoire que nous avons obtenue de la mort. La victoire que nous avons obtenue par le sacrifice de Jésus. Mes amis, Christ n'est pas mort en vain. Je vais vous lire une histoire. Pour vous parler encore, je vais aller plus vite. Alors, ici on dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, verset 17. Permettez-moi de vous lire cette histoire, et en vous lisant cette histoire, je voudrais vous révéler ce qui se passe en milieu chrétien aujourd'hui, au Gabon et dans plusieurs pays en Afrique, parce que le diable a tout fait pour que le réveil des années 80 ne puisse pas traverser 2010. Parce que 2010, c'était l'année où chaque pays d'Afrique
devait célébrer les 70 ans de son indépendance. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Et ils ont donc fait un plan. Et voici ce que Dieu m'a révélé. On dit que, pasteur, suis ça. Le roi Akaz, pas Akaz, se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. En voyant, et ayant vu l'autel, il a vu quoi? L'autel. Il a vu quoi? L'autel. Il a vu quoi? L'autel. L'autel qui était à Damas. Qui était où? À Damas. Le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri. Le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle. Le roi? Le modèle. Le quoi? Le modèle. Vous connaissez la définition du modèle, n'est-ce pas? Amen. Et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Et le sacrificateur Uri le fit avant même que le roi Akaz fût de retour de Damas. Quelle rapidité! À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et lui monta. Il fit brûler son holocauste. L'holocauste, c'est prendre un enfant vivant et le brûler sur l'autel que vous avez vu. Il fit brûler son holocauste. Je vous ai dit le modèle. C'est le plan et c'est le fonctionnement. Et son offrande. Vers sa célibation. Tout ça, on est en train d'expliquer. Et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Sur quel autel? L'autel au modèle et à la forme de celui de Damas. Suivez-moi. Il éloigna de la face de la maison, bien sûr de Dieu, l'autel des reins qui était devant l'Éternel. Il a fait quoi? Il a éloigné. Ça veut dire quoi? Il a remplacé les femmes. Est-ce que vous pouvez me suivre? Il y avait cette deuxième station, l'autel que je vous ai montré. Que fait le roi? Il déplace l'autel des reins qui incarne Jésus lui-même, mort, sacrifié et ressuscité, qui était devant l'autel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler le grand autel. Fais brûler sur le grand autel le holocauste du matin et l'offrande du soir, le holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leur offrande. Verse-t-il leur libation et répands-t-il tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occupe. Point. Suivez-moi. Peuple des yeux, le sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix, c'est le fondement de l'évangile. C'est le fondement de la chrétienté. Il est venu, il pouvait être là comme un simple prédicateur. Mais il a dit ce qu'aucun leader, aucun fondateur religieux n'a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour nous. Parce que personne d'entre nous ne pouvait être sauvé par lui-même. Le péché est dans notre ADN, dans notre sang, dans notre sang. Comment s'éloigner du péché? Il faut qu'on te pue de ton sang. Mais même si on t'enlève tout le sang, ta carte génétique est imbibée de péché.
Et si on détruit ta carte génétique, c'est toi qui meurs. C'est pour cela qu'avec une simple effusion de sang, il n'y avait pas de salut. Donc il a fallu que quelqu'un meure. Et personne d'autre, ni Moïse, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, personne n'a accepté de mourir à notre place. Personne. Un comédien, encore une fois, il voit bien. Il dit, quand Dieu devait sauver les gens, il a regardé au ciel. Il regarde les anges regardent les vieillards, et les vieillards regardent la terre. Et Dieu dit, je veux que quelqu'un aille sauver ces misérables-là. Ils sont créés à mon image et à ma ressemblance. Je ne supporte plus de les voir comme ça. Les anges ont dit, 24 vieillards, je pense que ça doit être votre mission. Les 24 vieillards regardent la terre, ah, quel intérêt pour nous d'aller mourir pour ces gaous-là? Ils ne font que pécher. Ça m'a touché, cette comédie. Vous me suivez? Mais personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sur la terre n'a accepté de mourir pour que ce que Dieu voulait régler depuis le péché du jardin d'Éden. Dieu n'a pas beaucoup de problèmes. Dieu a un seul et unique problème, c'est le problème du péché. Est-ce que vous me suivez là? Amen. C'est le seul problème que, comme on dit, c'est une carte, une tête, quoi, c'est une carte chinoise ou carte chinoise. C'est ce qui est compliqué pour Dieu. L'affaire du péché, parce que d'un côté, Dieu t'aime. De l'autre côté, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il y a deux choses. S'il vient traiter le péché avec toi, tu meurs. Et comme il ne veut pas l'avoir du pécheur, alors il fait quoi? Il est bloqué. Dieu lui-même, coincé. Il est coincé. Coincé. C'est pour ça que j'aime ce mot-là. Parce que si lui-même a été coincé pendant des millénaires, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu a toujours cherché des solutions de partout, de toute manière. Il a envoyé des prophètes, des juges, il a envoyé même des anges ont parlé. Mais il n'a pas réussi à régler ce problème coincé. Et pendant qu'il était coincé, il a prié en lui-même, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. C'est pour ça que quand je suis coincé, je dis de la même manière, comme Dieu a prié, moi aussi je prie pour te dire, décoince-moi. Alléluia. Amen. Après moi, Seigneur. Seigneur. Décoince-moi. Décoince-moi. Alléluia. Amen. Et vous serez décoincé. Quand Dieu était coincé comme ça, il fait une prière à lui-même. Il y a une voix qui se fait entendre. Me voici, envoie-moi. Yes. Comment? Toi, ma parole, mon unique, ce que j'ai de plus cher, tu acceptes de te séparer de moi, d'abandonner ta gloire, d'abandonner tous tes honneurs pour aller sauver ces gens-là. Je pensais envoyer des anges. Ils ont refusé. Les 24 vieillards, ils ont refusé. Même là-bas, je les ai utilisés. Personne n'a jamais réussi. Tous ont commis des péchés. Abraham, pécheur. Isaac, pécheur. Jacob, pécheur. Aidez-moi. Qui encore? Moïse, pécheur. Répétez seulement. Moïse, pécheur. Daniel, pécheur. Josué, pécheur. Caleb, pécheur. Isaac, pécheur. Élie, pécheur. Élisée, pécheur. Salomon n'a pas non plus. Qui va aller? Le cœur de notre évangile, c'est ça. Christ est venu. Amen. Il a accepté le monde. Et ce monde était un amusement. Ce n'était pas un amusement. Quand mon Seigneur se met à genoux, et dit, Père, Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, il ajoute, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Il veut quoi, lui? Il veut quoi? Jérémie a entendu cette voix. Il a entendu les plans de Dieu. Comment je ferai pour que tu sois parmi mes enfants, pour que tu m'appelles mon Père, et que tu sois pour moi un fils? Voici ce que Dieu voulait. Et Jésus, à cet instant,
Il a dit, Père, c'est ça que tu veux, que Gaffa soit ton fils, que ta volonté soit faite. J'accepte de mourir pour lui. Est-ce que vous me suivez là? Si on m'enlève cette mort-là, si on m'enlève sa vie de Jésus, on m'a tout enlevé. On a enlevé tout à l'évangile. On a enlevé tout au christianisme. Or, aujourd'hui, là, le diable a réussi à déplacer le sacrifice des reins, l'autel des reins. Il a déplacé l'autel des reins. On l'a remplacé par l'autel de Damas. Dans l'autel de Damas, c'est l'autel des sacrifices pratiques, pour ne pas dire des sacrifices humains. Écoutez-moi, quand vous entendez parler des crimes rituels, écoutez-moi, c'est l'autel de Damas qui est la plus place dans mon pays. Lorsque nous avons commencé le réveil, il y avait des abominations à Libreville dans tout le Gabon. Mais le réveil est venu comme une pluie, comme celle qui est tombée le jour où je suis arrivé à Rwanda, pour nettoyer tout le Gabon. Nous l'avons vu et nous l'avons expérimenté. Mais le roi a réussi à parler aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont entendu la voix du roi. Mais mon Dieu, sacrificateur Uri, comment n'as-tu pas dit au roi qu'on ne peut pas remplacer l'autel des reins? Mais il a accepté rapidement de remplacer l'autel des reins et on a ramené l'autel de Damas. L'autel de Damas, les amis, c'est l'autel de la consultation spirituelle. Amen. J'étais prêt. Quand je priais la nuit, j'ai vu dans mon sommeil, je dormais déjà, des gens qui venaient me voir à l'hôtel pour que je les reçoive. Je me suis réveillé et j'ai écrit, j'ai ça dans mon petit bouquin là. J'ai vraiment demandé au pasteur que lundi, mardi, je viendrai ici le matin pour recevoir tous ceux qui ont besoin d'être reçus. Je vais prier pour eux, les conseiller, les encourager. Alors, j'ai écrit. Et quand je finis d'écrire, je me rallonge à nouveau. Et là, je me réveille en sursaut. Ça m'arrive rarement de me réveiller en sursaut avec le cœur qui bat comme si j'allais avoir une crise cardiaque. J'ai commencé à compter jusqu'à 10. Je dis, Gaspard, monsieur Gaspard, tu te calmes. Tu te calmes. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Je me suis calmé. J'ai dit, toi, tu me dis quoi? Pardonne-moi. Je refuse que tu sois un instrument qui favorise le déplacement de l'autel des reins. Monsieur. Amen. Je vous en supplie. Aucun homme n'est capable de vous guérir. Christ seul a payé le prix pour votre délivrance. Amen. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça. Ça s'est passé en hier. J'ai une dame qui vient me voir. Pour me dire, pasteur, je vais vous rencontrer. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Il dit, voici mon problème. Je suis allé voir tel pasteur. Parce que je n'arrivais pas à me marier. Toutes mes petites soeurs se sont mariées, sauf moi. Quand le pasteur a commencé à prier, il m'a dit, aïe, 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 ma fille, le ciel n'est même pas au courant que tu existes. Oh. Il faut que je fasse des travaux pour t'imposer à la reconnaissance du ciel. Amen, 500 000. Immédiatement, cette sœur a trouvé les 500 000. Et les travaux ont commencé. Et l'homme de Dieu a donné la date de la fin des travaux le lendemain. Tu peux déjà commencer à acheter tes robes. Tu es connu par le ciel. Ton mariage est débloqué. Moi, j'arrive à Oyem 2 ans plus tard. Elle n'est toujours pas mariée. Non, là, j'ai entendu des choses dans ma vie. Mais ça, là, dire à quelqu'un que Dieu n'est pas au courant qu'il existe. Oh non. Alors, moi, ce qui me choque, ce n'est pas ce qu'a dit le pasteur. C'est la promptitude à l'obéissance qu'a ce chat-là. Combien parmi vous
l'obéissance pour les consultations mystico-spirituelles. Je lui dis, maman, si Dieu t'avait dit pendant que tu dormais qu'on va donner 500 000 à l'église un dimanche, est-ce que tu aurais obéi sans que le pasteur ne prêche et ne demande de l'argent aux gens? Est-ce que tu pouvais, toi, librement, venir donner une telle offrande? Elle m'a dit non. Je dis alors, tu as des problèmes, ma soeur. Les hommes de Dieu ont réussi, sous l'inspiration du roi, qui voulait que l'autel qui a bouleversé le Gabon, que son autel soit déplacé et remplacé par l'autel de Damas. Au point où aujourd'hui, les amis, j'ai mal au ventre quand je regarde la vie des chrétiens. J'ai mal au ventre quand j'entends les prédications. J'ai mal au ventre quand j'entends les annonces des séminaires. J'ai mal au ventre, ça c'est quel évangile? Et les gens accourent matin, midi et soir. Exactement la même chose. Le sacrifice du matin, le sacrifice de midi, le sacrifice du soir. Et les hommes politiques, puisque même le sacrifice du roi est à l'intérieur. Pasteur, vous pouvez réussir avec Dieu seul, sans le mélanger avec quoi que ce soit. Amen. Et vous savez réussir avec Dieu seul. Je vous en supplie, que l'autel des reins, c'est-à-dire le message de la rédemption, ne nous regardez pas comme des sauveurs. Nous ne sommes pas des sauveurs. Vous comprenez? Je voulais tellement parler à mon église, je leur dis, je touche du bois. Il y a le bois quelque part, il y a un compromis des autres. Je touche le bois, mais ça ne m'arrivera jamais. Je me bats contre le péché. Mais imaginez que vous apprenez que le pasteur Gaspard a commis un péché. Quelle sera votre réaction? Mais je crains que vous n'abandonniez votre hôtel des reins et allez vous abreuver à l'hôtel de Damas. L'hôtel de Damas est conforme aux hommes, est attaché aux hommes, est à l'image des hommes. L'hôtel de Damas n'a rien à voir avec Christ et lutte contre Christ Jésus seul. Mais l'hôtel de Damas fait le culte de la personnalité. L'hôtel de Damas amène les divisions, amène la guerre des leaders. L'hôtel de Damas amène les conflits. L'hôtel de Damas n'a rien à voir avec l'hôtel des reins. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Même si vous ne comprenez pas, moi je suis en guerre. Parce que je sais. Et je dis à Dieu à chaque seconde, à chaque instant où tu peux m'utiliser. Même si c'est dans ma chambre, il m'a dit de prêcher à mon miroir. Et je parle au Gabon parce qu'en fait, j'ai mal lorsque je regarde le niveau des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la profondeur du sacrifice de Jésus. Ils ne connaissent pas la vie de sacrificateur de lui se conformant à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Nous avons des pasteurs désordonnés. En fait, qui sont selon l'ordre du roi Akaz et qui exercent devant l'autel de Damas. Je vous en supplie. La nuit, le roi Akaz brisa les panneaux des vases et enlota les bassins qui étaient dessus. Voici ce que le roi Akaz a réussi à faire. C'est le même esprit qui nous terrasse aujourd'hui. Et les effets, ce sont ces sacrifices humains que vous avez, dont vous êtes au courant, des crimes rituels. L'Église doit se repentir parce que nous avons laissé le roi nous donner les ordres, obéir à l'ordre du roi et placer dans la maison de Dieu l'autel de Damas et repousser l'autel des reins. Cet autel, le deuxième niveau, c'est le travail de l'âme. La Bible dit, regardez cette image, regardez comment c'est monstrueux. J'ai grossi l'image pour vous montrer que là, tout est en or. Dieu vous a appelé les pierres du sanctuaire. Vous rappelez ça, non? Dieu n'a pas accepté que quelque chose soit fait ici sans que ça ne soit en or. Pour montrer notre lien direct, parce que nous sommes l'incarnation de ce corps, notre lien direct avec l'œuvre de Christ, avec la mort de Christ. Mes amis, Christ est
est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons sauvés. La Bible dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Je vous ai donné de lire Ésaïe 53. Philippiens 3, 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Cette parole-là, je n'en ai pas fini avec moi-même. Je ne sais même pas si j'en ai fini. Nous sommes invités à connaître la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Je vais aller en exemple. Je vais être simple. Imaginez cet homme-là qui aimait beaucoup de femmes. Il meurt. On amène son cadavre ici. Mon Dieu. Et puis on appelle la plus belle femme de moi-même. À la porte, elle se déshabille pour venir tenter le gentleman qui aimait les femmes. Elle va commencer à tourner autour. Comme il aimait les femmes, je suis convaincu qu'il va se réveiller. Parce que là, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce que vous pensez? Allez. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Zéro. Mais répondez-moi! Mais je vous avoue que quand il était vivant, qu'il ne pouvait pas voir une femme passer sans feu. Hein? Mais les hommes qui ont les coups qu'on doit tordre, parce que dès qu'ils voient une femme, ils le gardent droit. Même le frère en crise. Tiens, voilà, voilà, vous avez entendu. Quand il va être seul passer un pays. Il y a quoi? Sœur, tu t'arrêtes, tu lui demandes, il y a quoi? Répétez à toi, dites, les sœurs, dites, il y a quoi? Il y a quoi? Je reviens à mon image. Comme cet homme-là ne pouvait pas avoir une femme passée sans tourner sa tête, là, on lui a l'occasion. La plus belle femme de Wanda, elle vient là, sexy, elle se déshabille même, elle fait devant lui. Je vous assure que là, il ne va pas rater cette occasion. Hein? Trop tard. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Il est mort. Il peut encore réagir à ça? Non. Parce qu'il est mort. Il peut encore réagir à ça? Non. Parce qu'il est mort. Ou bien, si c'était un nerveux, un bagarreur, vous l'avez là, hein? Quelqu'un qui on ne pouvait pas croiser, il se fâche dans le coup de poing. Qu'on ne peut pas garer n'importe comment à côté de lui, il se fâche. Alors, il meurt, on l'amène ici. Et puis quelqu'un qui a insulté ma boule, regarde comment tu es là, imbécile. Hein? Voilà. Pauvre type. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un l'insulte. Là, vous pensez qu'il va laisser passer ça? Il est mort. Zéro. Est-ce qu'il va réagir? Non. Pourquoi? Il est mort. Est-ce qu'il va réagir? Non. Pourquoi? Il est mort. Afin de connaître Christ, qu'on ait la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça signifie que lorsque je réalise qu'on m'enseigne et que je prie, pas pour avoir des révélations, pas pour avoir le mariage de Seigneur, montre-moi l'homme qui m'a épousé. Mais quand je prie pour dire, Seigneur, je veux connaître la souffrance que tu as connue pour moi. Et quand tu connais tu rentres en communion de ces souffrances. Mais mon Dieu, qu'est-ce que Christ a subi? Et qu'est-ce qu'on peut me faire aujourd'hui qui sera supérieur à la souffrance de Christ? J'ai regardé, même les Chinois, ils ont voulu infliger aux condamnés à mort, une souffrance qui devait dépasser celle que Christ a connue. Mais ils n'ont pas réussi jusqu'aujourd'hui. Parce que quand on fait en sorte que ta sueur se transforme en bouillon de sang, c'est une souffrance qu'aucun homme n'a plus jamais connue en dehors de Christ. Et il l'a fait à cause de moi. Mais qu'est-ce qu'on me ferait demain qui va dépasser cela? Rien du tout. Le fait que je réalise ce sacrifice-là, le fait que je vis en
avec sa mort, alors je suis un cadavre face à toutes ces tentations. Amen. Amen. Mais ton caractère est resté le même dans le monde et en Christ. Tu es resté vivant dans le monde et celui-là, tu l'as amené dans l'église, pas en Christ, dans l'église. Il faut obligatoirement une remise en cause. Parce que notre cheminement, oh Seigneur, aide-moi, notre cheminement, tu ne peux pas arriver ici si tu n'es pas passé par là. Vous me suivez là? Amen. Donc, on a des gens qui vivent ici. On leur fait l'évangile, ils s'approchent et ils vivent. Ils s'approchent et ils vivent là. Il y a deux points, c'est pour le Seigneur, un exemple. Mais, quand il rentre, là, là. Non. Mon caractère doit changer. Ma vie doit changer. Je dois tout abandonner. Tout va être brûlé par le feu. Le feu sacrifie, non, c'est trop fort. Et tu fais les allées et venues là. Et les chrétiens qui vivent là, toute leur vie chrétienne, c'est là. Et quand tu vis là, et là, la colère, le même caractère, les mêmes envies, les mêmes comportements, les mêmes insultes, hein, les mêmes haines. Voilà. Et ta vie est là. Voilà. Cette musique-là, j'ai refusé de la danser. À l'église évangélique, on nous a enseigné la rumba évangélique. Vous savez comment on danse la rumba évangélique? Non. Vous voulez que je fasse la démonstration avec le pasteur? Oui. Vous voulez? Oui. Quelques secondes. Dans la rumba évangélique, si vous êtes debout comme ça, et qu'on entend la musique, oh, le bâton n'est pas là. S'il était là, tu fais comme ça. Un, deux. Un, deux, et trois. Est-ce que tu avances? Non. Tu fais quoi? Oui. On appelle ça la rumba et la musique. Combien de chrétiens des églises de veille dansent la rumba et la musique? Dis après moi, Seigneur, Seigneur, je refuse de danser la rumba et la musique. Je traverserai le père des sacrifices. Je traverserai le père des sacrifices. Là, Dieu vient transformer notre caractère. La Bible dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. D'autres versions disent, en Dieu, j'ai déversé dans le feu du sacrifice mon âme. De lui vient mon salut. Est-ce que vous comprenez? Le psaume 69, verset 2. Alors, dit troisième station. Troisième station. On va s'arrêter là ce soir. Troisième station, on appelle ça la cuve des reins. Dites la cuve des reins. La cuve des reins. C'est ce bassin-là. Cette. Donnez-moi les noms qui correspondent à notre génération. Cette cuvette-là, cette bassine, était placée entre l'autel des sacrifices et l'entrée dans la maison là où nous voulons tous y aller. Est-ce que mon Dieu est là? Personne ne peut entrer ici sans arriver là. Et quand le souverain sacrificateur arrivait là, il devait faire deux choses. L'eau qui est là-dedans, il devait se laver avec cette eau-là. Mais en bas de cette cuvette-là, il y avait le miroir des femmes. Ces miroirs permettaient à ce que, lorsque tu te laves, tu te mires également. Parce que Dieu avait imposé au sacrificateur que quiconque doit entrer ici, il faut qu'il soit propre. Il se lavait le foie 14 fois. Il fallait se mirer avant de rentrer. Est-ce que mon Dieu est là? Amen. Donc, ce taux-là, la cuve des reins, c'est le symbole de la parole de Dieu qui lave notre conscience des œuvres mortes. Parce que nous étions hors de la porte, avec les traditions, avec les habitudes, avec les valeurs, avec les comportements. Nous avons reçu Christ, nous sommes nés de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on n'est pas conscient.
pas dit ça. Je reviens maintenant. Quand on est né de nouveau, on n'est pas converti. On est enfant de Dieu, mais on n'est pas converti. C'est au niveau de l'autel des sacrifices. Là, c'est là que s'opère la conversion. C'est là où la parole vient brûler tout ce qu'on a ramené de mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaises idées, mauvaises traditions, des mauvais gestes, des mauvais goûts. Tout ça se transforme ici. Mais vous savez, le sacrificateur, à l'époque de Moïse, qui égorgeait les animaux et les brûlait à ce niveau-là, était sali par tout ce qui se passait ici, vous comprenez? Et alors, avant de lancer, il doit se laver avec l'eau de la parole. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce cul des reins est un type de Christ qui purifie le croyant devenu sacrificateur de la contamination du péché. Nous étions contaminés par le péché, même si nous avons reçu Jésus, nous sommes passés par l'autel des sacrifices, nous avons besoin d'une nouvelle parole qui nous soit communiquée afin que nous sachions quelle est notre nouvelle identité. Les chrétiens doivent connaître leur identité. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ne sont plus les gens du monde. Ils sont les gens de la cité de Dieu, de la maison de Dieu. Et nous devons vous l'annoncer. Écoutez-moi. La Bible est dans Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres justes que nous aurions faites. Ce n'est pas parce que nous avons bien fait que nous sommes sauvés. Non, personne n'a été sauvé parce qu'il a bien fait. Personne. Mais nous avons été sauvés par la miséricorde de Dieu, par le baptême, le bain de la régénération. Cette parole s'accomplit à ce niveau-là et le renouvellement du Saint-Esprit qui nous communique aujourd'hui notre nouvelle identité. 1 Jean 3, 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La purification ne viendra pas par les pratiques religieuses. La purification vient par cette parole que tu dois entendre et qui te donne ton nouveau, ton statut. Écoutez-moi, je vais te laisser ça. Pasteur. Oh, j'ai grandi dans une église évangélique où on nous appelait constamment pauvres pécheurs. Nous sommes des pauvres pécheurs. Les autres m'ont enseigné la prière de « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant jusqu'au jour de notre mort. » Ça signifie que vous restez pauvres pécheurs dès maintenant jusqu'au jour de notre mort. À partir de cet instant, nous ne faisons pas la différence. Nous sommes totalement pareils. Lorsqu'on vient dire aux chrétiens que ce qui est mauvais, que ce qui est machin, que ce qui est ceci, que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, il faut un moment qu'on vous révèle votre identité. Vous avez une nouvelle identité. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas gabonais ne peut pas se tracasser à vouloir se comporter comme un gabonais. Parce que je connais les Aoussas d'Aquatam à Oyem. J'ai grandi en leur sein. Ils sont là depuis 1800. Et comme ils savent qu'ils ne sont pas gabonais, ils ne se sont même pas appropriés des us et coutumes du Gabon. Ils ont leur même goût, leur nourriture, leur comportement, parce que pour eux, ils ne sont pas gabonais. Vous comprenez? Depuis 1800. Donc quand vous n'êtes pas de cette nationalité, pourquoi pouvez-vous pas pour vivre selon les règles et la constitution de ce pays-là? Est-ce que moi je suis là? Or, vous êtes des enfants du royaume. Vous devez le savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous appelle les biens du sanctuaire. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Non, on nous dit aujourd'hui, il faut que vous alliez, chacun prend son enveloppe et tu vas écrire tous les péchés que tu as commis et n'oublie pas les péchés que tu as commis quand tu es dans le ventre de ta mère. On vous l'envoie constamment à la poubelle. On vous l'envoie constamment à la poubelle. Retournez en arrière. Vos grands-parents ont mangé les hommes. Vos arrière-grands-parents ont fait ceci. Il y a les liens de ceci.
ceci, il a les liens de cela, les liens de ceci, les liens de cela. Et les chrétiens se baladent avec celui qui va leur révéler le nouveau lien qu'ils n'ont jamais su dans leur vie et dans leur famille. Vous me suivez? Et personne ne va à la recherche de la connaissance de son identité. Mes amis, je suis venu ce soir vous parler pour dire tu as accepté Jésus. Tu as même permis que ton comportement change totalement. Tu as même déjà reçu la parole qu'il a à ta conscience des œuvres mortes. Tu sais que tu n'es plus n'importe qui. Mais si ta vie s'arrête ici, Dieu n'est pas là. Vous m'en suivez? Amen. Dieu, il est là-bas. C'est là-bas où il nous a. Beaucoup s'arrêtent ici et tournent là. Mais, dans mon sommeil, il n'y a pas pour vous, hein. 90% des chrétiens vivent là. Il reste que 20%. 10%. Dans les 10%, vous avez 8% qui tournent entre ça et ça. Il reste combien? 2%. Il y a 1% qui fait la comment on faisait le jeu qu'on faisait avec les filles? La ronde. Il reste combien? 5%. Celui qui se bat pour tenter de rentrer ici. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Je ne sais pas là où tu es placé ici. Saint-Esprit, je t'ai tellement parlé pour que chacun de mes frères et sœurs ici présents, tu lui révèles exactement à quel niveau il se trouve dans sa marche avec le Seigneur. Lorsque vous êtes entre la porte et l'autel des sacrifices, ce sont ces chrétiens-là, pasteurs, que tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas les prendre. Ils réagissent tout de suite. La chair, les réactions charnelles sont encore vraiment. Alors, combien de chrétiens aujourd'hui, nous pouvons dire publiquement, toi tu as péché, demande pardon, répands-toi. Il va quitter l'église. Il ne va pas accepter. Il va aller créer son église. Lorsqu'il fait ça, il refuse de traverser l'autel des sacrifices. Il reste, il a demeuré, il a construit sa vie ici. J'avais un collègue, je lui ai dit, marie-toi, construis, je vais demander au ministre de l'enseignement supérieur de te donner une portion de terrain à l'université. Parce que nous sommes rentrés à l'université, il est rentré à l'université avant moi. Je l'ai retrouvé là-bas et je l'ai laissé là-bas et il est encore là-bas. Il devient grand-père à l'université. Il y a des chrétiens qui deviennent grand-père ici. Là. Pierre a dit, Seigneur, je pense qu'il est juste bon. On n'est pas plus loin. Mais qu'on reste ici. Nous allons construire trois tables. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Même si nous dans le monde, c'est pas grave. Nous ne voulons pas aller s'adresser au temple. Ils ont dit la mort de Jésus, c'est ce qu'ils voulaient éviter. Faut pas que tu meurs. Il vaut mieux qu'on reste ici. On le reconnaît comme étant le Seigneur et le Sauveur. Mais on ne veut pas aller plus loin. Il a dit à Pierre, à rien de moi, Satan. Lorsque Pierre a dit à Dieu noblesse, tu ne passeras pas par l'autel des sacrifices. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ici, mes amis. Je vous assure, vous pouvez avoir un bon pasteur qui vous aime, qui vous cajole et qui vous fait tout. Il peut même vous construire avec ses frères des maisons ici. Mais il vous envoie en enfer. Est-ce que vous suivez là? N'acceptez pas de rester ici. Demandez au pasteur d'être dur avec vous. Parce que quand il est dur, il vous expose à l'autel des sacrifices. Et là, vous aurez la preuve si vous avez traversé ou pas. Et n'est-ce pas? Si vous prenez les graines d'arachide, qui a déjà vu les graines d'arachide? Qui a déjà vu les graines comme ça? Quand vous prenez ces graines-là, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dedans? Pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut faire quoi? Il faut presser. Hein? Quand on presse, c'est ce qu'il y a dans qui sort, non? Oui. Alors, moi, je vais presser ce grain d'arachide, et puis, je vois la poussière qui tombe. C'est la poussière? Non, 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 attends. Je presse. Les cailloux tombent. Des cailloux. Non? Oui. Qu'est-ce qui va tomber?
Pourquoi lui? Parce que c'est qui est dedans. Pourquoi lui? Répondez-vous. C'est un défaut. Pourquoi lui? Parce que lorsque vous allez entrer dans la maison, quelqu'un vous provoque. Qu'est-ce qui est en toi? C'est ça qui va sortir. C'est l'huile ou les cailloux? Oh mon Dieu. Vous savez, Jérémie a dit, j'ai horreur d'une espérance trompeuse. Ne vous trompez pas vous-même. Soyez vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je préfère qu'on soit dur avec vous que de vous cajoler. Je vois des pasteurs qui prêchent la prospérité, qui prêchent la destinée, qui prêchent la destinée. Mais les gens sont dehors, on leur prêche la destinée. Les gens sont dehors, on leur prêche la prospérité. Les gens sont dehors et on leur parle des choses d'ici. Ça peut marcher? Non. Ça peut pas marcher. Mais les amis, mais nous, nous devons vous parler des choses de là-bas. Mais si vous nous maintenez à vous parler que des choses d'ici, lorsque quelqu'un qui est chrétien trompe sa femme, trompe son mari, il y a même l'association des hommes battus à Libreville. Et dans l'association des hommes battus, j'ai reconnu des chrétiens dont les femmes sont chrétiennes et qui gardent leur mari. Vous criez. Vous criez. Ouais. C'est pas ce qu'on voit. Mes amis, je conclue ce soir. Je vous en supplie. J'ai horreur d'une espérance trompeuse. Quelqu'un est allé en enfer. Et puis, pendant qu'il était en enfer, il voit un homme qui se balade. Il attend la tête de quelqu'un, il se lève comme ça, il blanche. Il se lève comme ça, il blanche. Il se lève comme ça, il blanche. C'est un homme de Dieu. Et puis, il dit à Dieu, mais lui là, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là? Tout le monde pleure, mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? Dieu lui dit, il est en train de chercher le pasteur qui lui avait dit qu'il était sauvé. Les amis, c'est question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les pasteurs qui vous cajolent, qui vous laissent dans votre péché mignon, vous restez dedans, ils ne vous reprochent pas. Vous pouvez continuer à chanter dans l'église, à faire tout, être honoré, bien-aimé du pasteur. Vous allez les rechercher en enfer. Ça signifie que toi-même là-bas, lui aussi. La vie chrétienne est un choix. J'ai choisi de passer par la parole. C'est ça qui établit la différence entre la franc-maçonnerie, la rose croix, l'islam, le bouddhisme et toutes les autres religions. Tous sont à la recherche de la parole. Ils pensent que quand ils iront au paradis, Dieu va prendre la balance. Le bien et le mal. Si c'est le bien qui pèse le plus, il va au paradis. Si c'est le mal qui pèse le plus, il va en enfer. Est-ce que vous me suivez? Mais qui connaît le poids du mal et le poids du bien? Vous connaissez ça? Non. Ils sont incertains. Ils n'ont pas la conviction de leur salut. Mais nous, Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'incertitude. Il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Mes amis, donnez vos vies au Seigneur. Peut-être que tu viens pour la première fois. Tu me dis, ah pasteur, moi je ne vole pas, je ne tue pas, moi je suis d'accord avec j'avais un garçon comme ça à l'université, je n'allais pas lui prêcher l'évangile parce qu'il était tellement réglo. Il était même plus correct que moi qui était chrétien et j'avais de la peine à lui prêcher l'évangile. Mais c'est plus tard que j'ai compris que tu sois correct. Même la SOG qui s'est déclarée correcte, elle est correcte. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous.
Si vous voulez savoir ce qui se passe dedans, vous pouvez me dire, pasteur, nous là, c'est déjà trop compliqué pour nous. Il faut que mon arrêt de séminaire ce soir, vous me le dites, je dis au pasteur, et on arrête ce soir. Et nous allons demander au pasteur d'enseigner et de rester avec vous ici. Ça va faire Vous continuez? Ce but-là, ça va faire quelque chose. J'étais à la Soulville, j'attendais le train pour venir à Franceville, je revenais de Plamoutou. Et il y a le train, il y a la nuit, il y a la nuit qui passait. Alors, ça fait bleu, 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 bleu. Et puis, le Saint-Esprit m'interpelle. Il me dit, regarde. Et j'ai regardé tous ceux qui étaient à la gare. L'un d'eux était comme ça, bleu, 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 bleu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'interpelles? Il dit, ainsi est le Gabon. Les Gabonais entendent seulement le bruit. Quand on passe la chaîne de leur pays, ils n'ont qu'un seul mouvement. Bro, bro. Bro. Ça va où? Ils ne savent pas. Ça nous convient? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Bro, 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 bro. Et c'était tellement long que ça passe. Bro, 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 bro. Voilà. On peut rester? Je peux dire au pasteur, le peuple veut rester à brun, 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 brun. Vous voulez rester? Non! On peut arrêter ce soir? Non! Et je demande au pasteur, je lui donne tout l'enseignement de l'onction pour lui. Reste enseigné au peuple. Et vous allez faire comme ça. Non! Brun, 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 brun. Vous voulez rentrer? Oui! Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Fais-nous revenir vers toi, ô Dieu, et nous reviendrons. Si vous vous accordez avec moi, je préfère pousser par l'esprit. Demandez à chacun. Peut-être que tu es dans l'église depuis longtemps, je le sais, pauvre de moi. Peut-être que tu viens pour la première fois, Dieu le sait. Je voudrais que ce soir soit un nouveau départ. Tu peux le jouer, tu peux recommencer à zéro, tu peux repartir. Ce soir, tu peux redémarrer ta marche avec le Seigneur. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir. Ta condamnation n'est pas signée. Tu peux encore faire volte-face. Tu peux encore changer. Et mener une vie de transparence avec Dieu. C'est possible. C'est pour cela, il pousse son serviteur à venir vous parler de ces choses. De foi compliquée. Mais pourtant, c'est cela la voie. C'est cela le chemin de la maturité chrétienne. Mais personne ne peut passer outre. Il n'y a qu'une seule porte. S'il y en avait deux, ou trois, ou quatre, je vous aurais dit de débrouiller pour que chacun trouve sa porte. Il n'y a qu'une seule porte. Une seule porte. Nous sommes condamnés à passer par cette porte. Répétez après moi, de tout votre cœur. Faites cette prière comme si ça vient de votre cœur. Moi, je suis là pour vous aider. Dieu m'a envoyé pour vous aider, pour vous montrer la voie. Je ne suis pas venu pour vous donner du poisson. Je suis venu vous montrer la voie. Je voudrais que cette prière soit votre prière. Répétez après moi, de tout votre cœur. Le Saint-Esprit est là pour vous entendre. Les anges de Dieu sont là pour vous écouter. Diminuez. Je m'en dis, mais je n'avais pas un son qui ne s'accorde pas avec l'harmonie actuelle. Reste seul à jouer avec toi.
Oui, maître chef. Joue-moi ça. Calme. Le combat est spirituel. Les puissants des ténèbres ne veulent pas te lâcher. Mais la lumière de Dieu vient vers toi ce soir. Le projecteur de Dieu vient vers toi ce soir. Et les ténèbres vont te lâcher. La malédiction qui s'abat dans ta famille va s'éloigner. Fais le choix de passer par la porte, de passer par l'autel des sacrifices et d'accepter l'identité nouvelle que Dieu donne en Christ de Jésus. Il nous a transporté les ténèbres vers son admirable lumière. Il a fait de nous les fils du royaume, les fils de lumière. Nous ne sommes pas les fils des ténèbres. Ce soir, répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui acceptes de mourir pour moi, toi qui acceptes de mourir pour moi, j'étais condamné, j'étais condamné, point d'espérance pour moi, point d'espérance pour moi, si je mourais, j'allais être condamné en enfer. Et pour toujours. Tu me fais la grâce. D'écouter ta parole. Je suis encore vivant. J'aurais pu mourir hier. Mais tu m'as conservé la vie. Je te dis merci, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Que ton feu brûle en moi. Et consume tout ce qui n'est pas de toi. Je viens à toi, Seigneur. Communique-moi mon identité. Je me livre à toi ce soir. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Accepte-moi. Accepte-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à cet instant, Saint-Esprit, que tu opères les miracles. Que tu guéris les malades. Que tu restaures les vies brisées.
tu as restauré la vie de Marie de Magdala. Opère tes miracles maintenant. Que les fibromes disparaissent. Que les maladies disparaissent. Que les maux de tête disparaissent. Que toutes sortes de maladies quittent les corps maintenant. Restaure les vies. Console les cœurs. Que toute forme de malédiction soit brisée au nom de Yeshua Massif. Soyez bénis. Vous et votre famille. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit.